Baggio. 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 On va passer. Non, on va pas commencer à mettre des barrières partout. On déplace les banderoles et on va se mettre à l'entrée là-bas. C'est ici qu'on devait mettre en place pour la lutte contre les menaces barrières. On renforce la barrière. C'est nous qui avons travaillé ici. C'est nous qui avons travaillé. Deux ans. Vous êtes oublié de ça. Ah ouais. On était exploité par Boeing. C'est pour cela qu'on est là. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est là. On ne bouge pas. On ne bouge pas. On est mérite comme vous êtes mérité ici. Quand vous entendez les visiteurs, ils vont venir de visiter ici. C'est quelqu'un qui a construit ici. Il ne faut pas que vous oubliez. Il ne faut pas que vous oubliez de ça. Voilà. Vous ne pas tenir votre parole. Ce qu'on a dit ensemble, vous ne pas tenir de ça. On va tout dire aujourd'hui, tout le monde va entendre ce que ça passe ici. Baggio. C'est nous qui avons construit ici, mais on n'est pas mérité pour rentrer même. Regardez les gens qui sont là, on est costumes, ils sont des costumes, cravates partout. C'est eux qui vont faire des visites ici, nous on n'est pas mérité. Il ne faut pas que vous oubliez, on est exploité pendant des années ici. Il ne faut pas que vous oubliez d'ici, c'est pour cela qu'on est là. On est là, on va tout dire, tout le monde y va entendre ici. On ne bouge pas. On donne les Qatars on boycotte au Qatar, on boycotte les mondiales. Mais on boycotte pas ici aux Jeux Olympiques. Il y a des gens qui travaillent ici, ils sont pas, ils ont demandé les papiers seulement. Ils réclament les papiers seulement. Ils méritent quand même. Hein? Ils ne sont pas les délinquants. Ils ont les gens qui veulent travailler, gagner sa vie, c'est tout. C'est ça. C'est ça qu'on souhaite. Je viens de discuter avec les responsables de la ville de Paris. Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, arrive. Il va nous faire un point sur l'état d'avancement des dossiers. Il va nous recevoir rapidement. Et après, on décidera de ce qu'on fait. Donc, on maintient le dispositif tel qu'il est prévu jusqu'à l'arrivée d'Emmanuel Grégoire. Tu sais qu'il nous dit, il ne tient pas leur parole. C'est pas la mairie de Paris qui a la main sur les dossiers à la préfecture. Emmanuel Grégoire va nous faire un point de la situation. Ça suffit et on comme verra. Ça pour nous exploiter, ça suffit comme ça, on a marre de. Ah, ils sont pas contents. Baggio.
Bienvenue. Oui, vous êtes en rapide. Je vais faire un compte-rendu rapide de la discussion que nous venons d'avoir avec M. Emmanuel Grégoire, qui est donc le premier adjoint à la mairie de Paris, qui nous avait déjà reçu le lendemain de la première intervention du 17 octobre, ou le lendemain ou sur le lendemain du 17 octobre, et qui nous avait reçu le 1er décembre, quand nous étions venus faire une piqûre de rappel. Aujourd'hui, on est là, on n'avait bien évidemment pas prévenu. On nous attendait un petit peu, mais pas vraiment, mais un petit peu quand même. Et M. Grégoire nous a reçus pour faire le point sur les difficultés d'avancement des dossiers auprès de la préfecture de police de Paris et sur le licenciement par Bastille du camarade pour qui nous avions... pour qui nous avions signé le protocole d'accord le 17 octobre. Sur les premiers dossiers, la mairie de Paris s'engage à relancer le cabinet du préfet et du ministre pour essayer de débloquer les 14 récépissés sur lesquels nous sommes en attente. Évidemment, le préfet comme le ministère, ont tout intérêt à nous accorder ces récépissés, dans la mesure où va y avoir, pendant toute la période qui va d'aujourd'hui au début des Jeux Olympiques, des inaugurations, des sites, par-ci, par-là et par ailleurs. Et donc nous aurions la possibilité de taper à chaque fois qu'une inauguration aura lieu. Évidemment, quand celle qui sera inaugurée par M. Macron, les services de sécurité seront bien plus importants qu'aujourd'hui. Mais on avisera. Voilà. C'est l'engagement que peut prendre. Et je rappelle que la mairie de Paris n'a pas la maîtrise de la remise des récépissés. Ce qu'on peut simplement exiger ou lui demander, parce qu'on ne peut rien exiger, c'est d'avoir son soutien et la pression. Sur le deuxième sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le licenciement d'un camarade par une des boîtes qui avait signé un protocole avec nous, M. Grégoire s'engage à adresser un courrier à l'entreprise. On lui a transmis la lettre de licenciement et à lui demander de respecter et la charte prévue sociale des Jeux Olympiques et le protocole d'accord qui a été signé. Et il nous fait un retour de ses interventions. Parallèlement, nous-mêmes, nous allons réintervenir, et ça va être l'objet d'une petite réunion qu'on aura tout à l'heure entre nous, on va réintervenir auprès de l'entreprise pour leur rappeler que quand on signe, on signe. Voilà. Et rendez-vous mardi. Et on se voit mardi à la mairie de Paris avec M. Grégoire pour faire le point d'avancement de ces dossiers. Voilà ce qui nous est proposé. Vous m'autorisez à dire un petit mot ? Absolument. Je voudrais juste vous dire un petit mot. Un peu plus fort, Monsieur Grégoire. Je voudrais vous dire un mot. On a l'occasion d'échanger depuis maintenant plusieurs semaines. Je rappelle la position de la ville de Paris et c'est aussi la position de la Solideo, vous savez, la structure qui supervise la production des sites olympiques. Nous sommes favorables à la régularisation des travailleurs sans papier, a fortiori quand certains d'entre vous travaillent depuis de très nombreuses années en France dans ces entreprises.
Et donc, les 14 dossiers, puisque c'est cela qui nous préoccupe, font l'objet d'un suivi. Vous savez que nous ne maîtrisons pas la délivrance des récépissés, mais nous la soutenons auprès de la préfecture de police et auprès du cabinet du ministre. Et la deuxième chose, je viens d'apprendre effectivement le licenciement par une entreprise. Je l'apprends vraiment à l'instant. Nous allons demander la réintégration par écrit et par un entretien téléphonique à la société de la personne en question, notamment en attente de l'examen de son dossier et de la délivrance du récépissé, mais qu'il n'y ait pas d'interruption du contrat de travail pour permettre d'envisager plus sereinement. Je sais la difficulté de vos situations, même s'il m'est impossible de me mettre à votre place, mais la ville de Paris, elle a une position de soutien sur votre compas depuis de très très nombreuses années. Et donc je veux vous dire qu'on inaugure l'aréna aujourd'hui, mais nous ne lâcherons pas l'affaire, nous continuerons à vous accompagner et à vous soutenir dans cette démarche. Il y a 14 dossiers qui sont concernés sur l'Adidas Arena. Il n'est pas normal que vous ne soyez pas régularisé au titre du statut de travailleur sans papier, et donc vous dire à la fois notre soutien et notre détermination à vous accompagner dans le futur. Je sais que les interpellations comme celle-ci sont parfois la seule occasion vraiment visible pour vous de le faire, et on n'y est évidemment pas insensible. Mais je veux vous dire qu'on est à vos côtés et que, évidemment, l'organisation syndicale qui vous soutient est particulièrement active pour cela, et qu'on continuera à vous soutenir et qu'on fera un point mardi en fin de journée pour tous les dossiers qui ont été identifiés dans le cadre de la construction de cette infrastructure. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous et un peu de patience. Voilà, c'est ça. Le frère, c'est ça, il vient de tout dire. Nous, tout ce que moi je veux vous dire, on va attendre mardi. Parce qu'on a marre de tout ça. Il faut qu'on se dise la vérité, on a marre de tout, on a marre de tout ça. Pendant des années, ils sont en train de nous exploiter. Comme monsieur le maire, il vient de dire, il nous soutenait. Ce n'est pas lui qui les délivrait des récépissés. Mais tout ce que nous on veut, les entreprises de Boeing, ils ne sont pas respectés, les mairies même. Parce qu'ils ne sont pas tenir leur parole. C'est obligatoire. La mairie même, il doit passer de ça. La mairie même, il doit passer de ça. Parce que le respect, ça vient de tous les côtés. Oui, ils ne sont pas respectés, nous, en tant que travailleurs. Mais ils ne sont pas respectés, les mairies aussi. Hein. Parce que tout ce qu'on a dit, ils ne sont pas faits. Hein. Ils ne sont pas faits. Hein. Mais on va attendre le jour de mardi. On va attendre le jour de mardi. Donc on se donne rendez-vous mardi. Rendez-vous le mardi. Ouais. Et puis on verra la situation.